vivait dans un luxe inouï. Le chien qui s'appelait Puccini, mais son maître disparu. Puccini est perdu et troublé de chagrin, voulut s'enfuir au loin. La fourrière l'attrapa et quelqu'un l'adopta. Il y a une nouvelle famille, pas bien riche mais si gentille. Heureux enfin pour lui, tout va très bien, Puccini. Oh! Aujourd'hui, c'est mon jour de chance! Je suis tombé sur un os gigantesque! Remarqué que c'était un os, merci. Oh maman, papa, regardez! Si c'est encore pour nous montrer comment tu retournes ta paupière, je refuse de voir ça. Dieu soit loué! Vu la taille de cet os, il devait appartenir à un lézard volant de l'ère cénozoïque. C'est une découverte très rare qui va récompenser tous nos efforts et faire notre fortune. Allô? Le musée des sciences et de l'histoire? J'aurais souhaité parler à un de vos spécialistes des os. Merci d'avoir fait appel à mes services. Enchanté. À présent, pouvez-vous me montrer l'heureuse découverte? Oh mon Dieu! Oh! Tout ça me semble très prometteur. Néanmoins, c'est avec la plus grande précaution qu'il faut manipuler ce genre de fossile très délicat. Oups. Dieu du ciel, un os d'érecticus géant parfaitement intact. C'est une aubaine. C'est une des découvertes les plus remarquables de ces 20 dernières années. Je dois absolument prévenir mes collègues. Ils vont être époustouflés par cette trouvaille à l'Os Institute. Vous pensez que c'est un objet de valeur? Un objet qui a un prix élevé? Bien au contraire, c'est un objet qui n'a pas de prix, tellement il est précieux et rare. Je vais alerter le musée immédiatement. Nous vous rappellerons. Tu as entendu ça, Walter? Un objet qui n'a pas de prix, nous allons devenir riches! Yahoo! On va devenir riches! Quelle chance j'ai d'être tombé sur cette famille! A rien réussi à les rendre heureux! Alors, ma chérie, comment est-ce que tu as l'intention de dépenser ton premier million? Eh bien, je me disais peut-être que... Activez la cadence, bande de fainéants! Bougez-vous, bande de flemmards, du nerf. Merci, Walter. J'ignorais que de diffuser de bonnes vibrations pouvait être aussi lucratif. Ouvrir des cafés-restaurants rapides, c'est très bien. Seulement, tu penses petit, ma chérie, tu comprends? Regarde-moi, par exemple. J'ouvrirai le plus grand restaurant de viande grillée de toute la planète. On ferait des barbecues gigantesques, n'est-ce pas merveilleux, ma chérie? Je suis entré dans le livre des records. Je peux mourir en homme comblé. Va-t'en, Puccini. Tu ne vois pas qu'on est en train de faire des plans sur la comète? Peut-être que Billy voudra bien jouer avec moi. Ça m'appartient, hein? Ça m'appartient. Ah,
quoi? Toute cette histoire va trop loin. Il faut à tout prix que je les arrête. Un déterré, il n'en reste plus que 937. Oh! Partout les chiens! C'est une momie très ancienne en parfait état. Il est aussi frais que le jour de sa mort. Tous ses tissus et ses organes sont absolument intacts. Bon, bon, allez, il ne me servira à rien. Une vieille coupe de bowling. Mais qu'est-ce que c'est? Une vieille serviette éponge sale. Encore un nouveau trésor? Oh, ça doit être une ancienne décharge. Je vais enfouir tous les détritus. Ce sera ma façon de participer à la protection de la nature. Enlevez la bâche, s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce canular? Mais l'os était ici, je vous jure, je vous en prie, ne partez pas! Et l'argent que vous deviez nous donner? L'argent? Allez, viens, Puccini! On va se promener!